sur les meubles de cuisine. Une belle cuisine, c'est une affaire de finition. Avec des joues et des fileurs assortis à vos façades, votre cuisine aura l'air d'avoir été montée par un pro. Plus de style avec les joues de finition. La joue de finition est assortie aux façades que vous avez choisies. Elle donne du style aux côtés d'un caisson de meubles visible. Commencez par déposer la face de la joue qui sera visible dans la cuisine sur un carton. Puis, renversez et alignez votre meuble sur la joue. Vissez avec des vis de 30 mm de longueur. Votre meuble est prêt à être posé. Pour une colonne, c'est exactement le même principe. Vous pouvez donc reproduire les étapes précédentes. Des finitions parfaites grâce au fileur. Le fileur permet de combler un espace vide dans le coin de la pièce. Il est assorti à vos façades. Le plus, il permet aussi d'ouvrir plus facilement les portes des meubles côté mur. Commencez par mesurer les écarts Y entre le mur et le meuble. Pour protéger le décor, mieux vaut retourner le fileur sur l'envers pour la découpe. Reportez votre espace Y et tracez dans la largeur. L'astuce pour garantir une coupe franche? Recouvrez la ligne de découpe d'un ruban adhésif tout autour. Présentez votre scie circulaire sur le plan. Mesurez l'espace entre l'intérieur de la lame et le bord de la semelle. C'est l'espace X. Ensuite, fixez la règle de maçon avec des serre-joints. Reportez l'espace X entre le trait de découpe et la règle de maçon. Place à la découpe avec une lame adaptée. Ensuite, présentez le fileur près du meuble. Coupez un tasseau de la longueur du fileur. Percez trois trous répartis sur la hauteur. Faites pivoter le tasseau pour réaliser les trois autres trous. En respectant un écart de 1,5 mm entre le champ visible et le tasseau, puis fixez le tasseau au dos du fileur. Placez le fileur sur le meuble avec un écart de 2 mm vers l'avant. Vous pouvez fixer l'ensemble au meuble. Il est temps de remettre le meuble en place. Le montage peut continuer. Pensez bien à la fixation du meuble au mur. Vous avez des meubles hauts? Vous pouvez aussi poser un fileur en respectant les mêmes étapes. Pour une colonne, réalisez le fileur à l'aide d'une plinthe positionnée à la verticale. Bravo pour ces finitions qui donnent beaucoup plus de style à votre cuisine. Et bravo pour tout le montage réalisé. Vous allez maintenant pouvoir commencer à cuisiner et vivre dans votre nouvelle cuisine.